Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Paper Mario. J'espère que vous allez bien. Moi, pas du tout, c'est la déprime. On a sacrifié Bobby, quoi, les gars. On a sacrifié Bobby. J'espère que vous n'avez pas trop pleuré la mort de Bobby. Je tourne à la suite, je suis encore sous le choc. Non, bon, on va aller voir Olivia quand même. Histoire de ne pas avoir sacrifié Bobby pour rien, connasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as sauvé, Mario? Merci, merci, merci. Dis merci à Bobby. J'ignorais que c'était si désagréable d'être aplati. Je ne sais vraiment pas comment tu fais. Heureusement, me voilà tiré d'affaire. Oh, mais ça alors? Le rocher n'est plus là. Il n'en reste que des confettis. Comment t'as réussi à faire ça? T'as mis la main sur un nouveau modèle de marteau dynamiteur? Un coup bien placé et hop, plus de rochers, boum. Ouais, boum, ça a fait boum, hein, mais... Et Bobby, il se cache ou quoi? Parle pas de Bobby. Je ne le vois nulle part. Mario? Ne me dis pas qu'il a... Cette détonation et le rocher qui s'est volatilisé. Bah si, Bobby il est mort. Elle te barre pas, hein? Connasse, il t'a sauvé la vie en se sacrifiant, tu vas pas te barrer maintenant. T'as la violence en début d'épisode, quoi. Mais ouais, mais les gars, à un moment, il s'est sacrifié, donc reviens. Il s'est pas sacrifié pour que je... C'est un ennemi ou... Non. Oh les gars, il y a trop de trucs à faire ici. Ah, pardon. Non mais sérieux quoi, elle se barre alors que... Excuse-moi. Mais non, mais elle se barre alors que Bobby s'est sacrifié pour lui rendre la vie, merde. Aucun respect pour Bobby en fait. C'est dingue. Par contre, les gars, si je peux aller à trop d'endroits comme ça va pas le faire. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. Je pensais sauver une top, pas du tout. Je l'ai juste fait chier, je l'ai empêché de bosser, c'est incroyable. Ouais, donc il y a bien un chemin là, c'est bien ce que je pensais. Parce qu'on peut pas sauter là, on est d'accord. Je peux aller dans le petit trou là, non? Il avait l'air fragile comme mur. Je peux aller là? Ah, je peux pas? Oh l'arnaque! Ben, je suis censée aller là comment moi? Peut-être par là? Excusez-moi les gars, je m'incruste un peu chez vous. Il y a rien ici. Il y avait un coffre, je le veux en fait. Là, ça a l'air d'être fragile. Non? Ah si. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Ah, me rappelle de mauvais souvenirs ce... Après, je suis pas sûre que ce soit le coffre là hein, qu'on a vu. Quoique. Non, c'était pas celui-là. Mais comment j'y vais? Comment je vais là, moi? Putain, les gars. Ah. Je savais bien que ça avait l'air fragile. Ça se voyait. Ah merde. C'est un fail. Pourquoi je suis allée en haut? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Aucun intérêt, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, boîte dans la boîte. Mais arrêtez de me rappeler, Bobby. Vous êtes cruel.
Pourquoi il y a un trou là? Ça fait un truc? Ah voilà. Je sais pas, c'était bizarre, je me suis dit il y a un truc. Ah oh là là, Bobby. Pourquoi Bobby? Bonjour. Ah, tu danses là? Faut pas te déranger, hein. Bizarre comme endroit, je sais même pas où aller. Il y a trop de trucs. Ah, ça faisait 3 ans que tu dormais là. Ah merde, c'est plus de l'hibernation là. Ah, c'est un magasin, trop cool. Si je peux tout équiper, mais voilà, t'as plus rien. Honteux, honteux. Alors, de toute façon, c'est ça en plus efficace. Genre, alors évidemment que j'équipe ça. En poche 8, 9. 0? Comment ça 0? Ah, parce que c'est un brillant. On va en prendre 5. J'en ai 4 là, je crois. Ouais, allez. Voilà. Sympa. Du coup, ah non, là c'est de là que je viens. Et ici, sans tomber, hein, évidemment. Ah, je pensais pas être sur le bon truc tout de suite. Bobby s'est sacrifié pour moi. Et maintenant, il a disparu. Mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Je suis dévastée. Je ne vais pas pouvoir continuer. Il est parti en fumée, c'est le cas de le dire. Quoi, tu veux pas? Mais il s'est pas sacrifié pour rien, connasse. Ah, répète la même chose. Je suis censée faire quoi, du coup? Ah. Les marmottes. Ah, merde. Les marmottes. Ok, ça l'ambiance. J'étais allée dans celle-là, je sais plus. Oui, sans doute. Par contre, pourquoi il n'y a plus personne? Qu'est-ce qui se passe encore? On veut pas me laisser tranquille? C'est pour grimper, donc c'est par là. Il est louche, ce mur. On a touché le gros lot. On dirait qu'un énorme rocher a explosé là dehors. On rassemble tous les gravats qui nous tombent sous la griffe des fois qu'on y trouvait ce que Bowser nous a demandé de chercher. Ah!
Qu'est-ce qui vient pu faire exploser un aussi gros rocher? En tout cas, si on la joue fine, on n'aura pas besoin de creuser pendant des semaines. Je suis censée aller où alors? J'ai envie d'aller voir quand même ce qu'il y a. Super M! Quoi? Quoi, Super M? Comment ça, Super M? Bobby? 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 Écoute. Mademoiselle Olivia a l'air toute froissée par ce qui s'est passé. Mais si elle ne se ressaisit pas, mon feu d'artifice final va vite se transformer en pétard mouillé. Mais toi, tu es Super M. S'il y a bien quelqu'un au monde qui sait comment rebondir, c'est toi. Réfléchissons. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider à retrouver le moral? Ah oui, j'entends dire que le rire soit le remède à tout. Peut-être que si tu arrives à la faire rire, en chauffant mon costume. Mais Bobby, pourquoi? Tu veux pas aller lui parler, toi? Y a quoi là-bas? Tu me laisses pas y aller, si? Si? C'est pas juste. Et maintenant, ça nous montre le fantôme de Bobby. C'est terrible. Ouais, c'est cool, mais... Ah bah ouais. Bobby. Pourquoi? C'est pas juste. En plus, j'avais dit, je veux pas qu'on perde Bobby. Comment on fait? Je peux enfiler mon costume ou... Ah non, je peux pas. Ah. N'essaie pas de me forcer à rire, mais... Bon, d'accord, c'est drôle. J'ai le cœur un peu plus léger maintenant. Merci beaucoup, Mario. Ouais, mais Bobby s'est quand même sacrifié pour toi. Hein. Je ne peux pas rester là, morfondre. Ce n'est pas ce que Bobby aurait voulu. Nous devons continuer. Mon frère doit à tout prix être arrêté. Merci encore pour ton aide, Mario. Et merci d'avance pour toutes celles que tu continueras à m'apporter. Sur ce, c'est parti. Le serpentin jaune ne va pas se défaire tout seul après tout. Mais d'abord, retire ce bidule de ta tête, s'il te plaît. J'ai du mal à garder mon sérieux quand je te vois avec ça. Ah bah voilà. Ah là là. Bon, Bobby est quand même mort à cause de toi, mais... Bobby... Bobby, pourquoi t'es plus là? Bobby... Mais je sais qu'il faut traverser le tunnel pour voir le serpentin, j'ai déjà activé le truc. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que Bobby se tenait encore à nos côtés. Oh, je sais bien que je me fais des idées. Il ne vit plus que dans nos souvenirs désormais. Mais ne t'en fais pas, Bobby, on ne t'oubliera jamais. Bobby, reviens. Qu'est-ce qu'il y a, Mario? Allons-y. Bobby. Mais mon aventure va être nulle sans Bobby. Quelle déception.
Quelle déception! Ah, c'est plus ouvert. Ça s'ouvre plus facilement que les colis Amazon, hein, avec ces petits trucs-là sur le côté. Bon, on a des ennemis. Hop, très bien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On a un sifflet qui sert à rien. Je pensais qu'on pouvait le prendre, mais non, visiblement. Ah. Ah, je vais devoir te l'acheter. Ah non. Cette musique. Super Bot Mobile 2000. Puissance 150 Yoshi, vitesse max, champignon doré. Ah, on va faire du Mario Kart. Admire donc les courbes gracieuses de cette botte mobile nouvelle génération. Laisse-moi te dire que le désert, elle en a fait son affaire. Et si ça ne suffit pas de te décoiffer, attends d'enclencher son bouton turbo. Le moins que je puisse faire, c'est de te laisser faire quelques tours avec gratuitement attrape. Merci. Tu n'as qu'à siffler dedans pour faire surgir la botte mobile à tes côtés. Et oui, comme si tu étais Botman. Par contre, ne la sors pas du désert, s'il te plaît. L'assurance ne couvre que cette région. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Un contrat en bonne et due forme? Allez, file, grand fou. Qu'est-ce que ta fière allure, ouais. J'ai hâte de te voir rouler avec et surtout enclencher turbo. Ok. D'ailleurs, je suis sûre qu'avec de la vitesse, tu pourras casser des trucs et même aplatir des oris guerriers. Fais juste attention de ne pas rayer à la carrosserie, s'il te plaît. Oh, trop cool. Mais ZR, c'est pas ça? Oh merde, j'ai pas été assez vite. Ça accélère pas de ouf, hein. Je m'attendais à un truc un peu plus dingue. C'est pas grave, détail. Détail! Oh, je sais pas quoi faire en fait. Il y a que lui qui va me saouler en fait là. Oh, j'aurais pas dû faire comme ça, c'est pas grave. Il a cru qu'il allait m'avoir lui dans la botte. Non mais. Non mais. Ah merde, je pensais que ça allait pas arriver comme ça en fait. Ça va toujours plus loin les gars, sinon ça se passe comment? Je savais pas quoi faire, j'avoue. J'avoue tout, j'avoue. On a même plus Bobby pour nous aider pendant le combat. Je suis triste. Je veux Bobby. J'arrive pas à imaginer la suite sans Bobby, c'est terrible. Ah! Voilà, je voulais ça en fait. Mais ça accélère pas tout de suite, alors c'est chiant. Ah, c'était un Toad. Elle est changée en pelle, c'est vraiment pas de la tarte. Moi,
Moi, je kiffe ma botte mobile, hein. Mais ça va pas me faire oublier Bobby, les gars. Je sais qu'ils font ça pour essayer d'oublier Bobby. Mais non. Attends, c'est ça le désert? Tout sombre et froid comme ça? C'est vrai que d'habitude, dans Mario, quand on est dans une zone désert, c'est plutôt ensoleillé, jaune, du coup. Mais là... Oh là là, avec tout ce sable, je vais avoir des grains plein les plis, moi. Et ouais, t'avais qu'à être un papier comme moi et pas un origami. Il y a un truc là, c'est obligé, non? Putain, un petit Mario Kart, les gars! Je suis en kiff total! Enfin, pour l'instant, je suis en kiff, hein. Qu'est-ce que c'est immense, en tout cas! C'est vraiment impressionnant. Donc, un désert, c'est juste un endroit gigantesque rempli de sable? C'est à peu près ça. Par contre, pourquoi on dirait que la lune est noire, en fait? Ou le soleil? Mais quand même, il fait drôlement sombre. Où est le soleil? Il est vexé? Il boude? Oh non, c'est terrible. Voilà pourquoi il fait si sombre. On dirait un anti-soleil. C'est quoi le terme scientifique pour ça déjà? Un trou noir? C'est quand même vraiment étrange que ce désert ait un gros trou dans le ciel à la place du soleil. Enfin, par contre, les trous noirs, c'est pas vraiment ça, mais... Qu'est-ce qui l'a découpé? Et comment ils s'y sont pris pour réussir ce coup? Le bon côté de la chose, c'est qu'il ne fait pas trop chaud. On fait quoi? On se concentre d'abord sur le serpentin et on s'occupera du soleil plus tard? Bah, je pense que les deux sont liés, hein, surtout que c'est le serpentin jaune, comme par hasard. Donc... Ah, faut que je lui fonce dessus, c'est vrai. Putain, je suis pas dessus. C'est un peu galère. Hein. Bah, si je suis dessus. Je dois descendre. Nul. Cool. Ouais, là il fait pas chaud là, là il fait noir, c'est pas très soleil tout ça. Est-ce que c'est aussi grand qu'on le pense ou est-ce que... Ah ouais, quand même. C'était forcément un Toad. Non, mais je m'en suis pas fait hein. J'étais persuadée que t'étais un taupe, donc j'ai pas eu peur. Par contre, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Un bout. Casse-toi! Et si je le regarde comme dans les autres Mario, peut-être il m'attaque pas, mais bon, j'ai pas le temps. Pourquoi il y a des bouts dans le désert? Ça n'a aucun sens. Ah! Ah! D'accord. C'est que là, il va falloir en plus retenir où ils sont pour les replacer. Incroyable. Déjà, quand j'ai toute la visu, d'habitude, c'est pas forcément ouf. Alors... Casse-toi, tu m'intéresses pas. Excellent. Énorme. Énorme. Tu m'as pas vu, je suis invisible. Je suis un bout. Je suis un bout. Bon, ma botte mobile est toujours là. Y a rien d'autre ici? Non. Je peux pas y aller. Ah. Ah, mais je peux y aller. Ah, je peux y aller comme ça! Vas-y, vous êtes chiants, les mecs. Ah ouais, mais c'est chiant, là. Ah non, c'est bon, je sais. Ok. Oh, merde. C'était presque ça, presque. Ouais, mais c'est relou, aussi. Oh, merde. C'est une bonne idée, après, hein, mais...
Oh, ce truc de fou. Alors, j'espère qu'il n'y a pas un boss avec un bout, quoi. Ça va être chiant. Hein. Ah, il me reste qu'un déplacement. Je crois qu'il y en a... Ah, merde. Bon, après, je savais pas trop comment j'allais m'y prendre malgré tout, mais... Quoique non, un marteau. Je pense, je suis pas sûre. Ouais, si, c'est bien. Ah merde, oh, ça va être relou ça. Sont sérieux là. Oh, ce sacrifice d'allié quoi. Mais non. Mais limite j'ai de la peine quand même. C'est tellement cruel. Allez, ça dégage hein. C'est très chiant comme ennemi, quand même, malgré tout. Je trouve. Hein. Avis perso, mais il y a quoi ici? Hein? Bon, bah, si taper dessus, ça fait rien. J'ai pas d'idée. Hein. Généralement, on arrange les choses en tapant dessus, mais. Mais pas là. Il y a des trous partout dans le désert en plus. Je vais d'abord me concentrer sur cette zone. Parce qu'il y a un million de trucs, mais... Ah, il y a un chemin. Oh ouais, mais les gars, toujours plus. J'aurais dû sauter dessus, peut-être, non? Je sais pas. Je crois. Je suis vraiment pas sûre, mais... Ah si, ils sont là. Non mais c'est l'enfer ce truc. Ah ouais, quand même, tu fais mal toi. Comment il pousse son pote. Merde, j'ai cru qu'il allait m'attaquer encore, mais non. La fille traumatisée. Ouais, ça c'est du coup de tête qui fait mal, hein. Ça, j'avoue, bon. On va essayer de voir ce qu'il y a dans cette zone. Et puis je pense qu'on se quittera là pour cet épisode en tout cas. Parce qu'on est, bon, on va être à 30 minutes. Mais j'ai envie de voir ce qu'il y a au bout de cette zone. Je sais pas du tout si je suis sur le bon chemin. Je pense pas. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Ah! Ah! Voilà, des fleurs de glace. Très bien. Ah, mais je crois qu'il faut y aller avec le véhicule, non? Ah non. Ouais, je m'en doutais un peu. Six shots dessus. Ah, ça fait combat quand même. J'étais pas sûre. Je voulais vérifier ce truc. Ouais, d'accord. Si, c'est bon. C'est bon, j'ai.
Incroyable. C'est bien pensé après le système du bout comme ça, le combat, tout ça, mais c'est vrai que ça pique le cactus, je peux pas y aller dessus. Allez, Todd, fais un effort. Je pense que c'est encore un truc pour se TP, ça, non? Ah non, c'est un café. C'est vrai qu'il y a des cafés chelous comme ça cachés un peu partout. J'avais oublié. J'avais oublié ce léger détail, si j'ose dire. Mais il y a un petit Goomba tout seul. Oh, tu me fais de la peine. Tu veux quoi? Un café? Vu que j'ai le choix. Il me fait de la peine le petit Goomba. Et patron, sers-moi notre expresso. Ah. Est-ce que ça va être assez? On a, enfin, il y a un problème au niveau de vos tailles, hein, parce qu'un expresso, c'est plutôt ce que Mario a en fait, mais. Waouh. Eh oh, ne suffit pas toute la tasse, sale petit égoïste. Laissez-moi un peu. Bon, de toute façon, au niveau de la vie, ça nous fait pas de mal, hein. Sérieusement. Mais c'est dans ce café qu'on va se quitter là pour cet épisode, les amis. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.